tiriri. Ce soir je rêvasse une belle pépée. S'assoit juste en face, je pose ma tête contre la fenêtre. Putain ce qu'on est bien lorsque l'on n'a rien à faire qu'à voir défiler l'univers, plongé dans la nuit de l'hiver. Qu'éclaire quelques phares blafards dans le noir. Elle mange un yaourt et lèche le pot pendant qu'elle parcourt Madame Figaro. Pour avoir autant d'or et de cailloux tintinabulant, sûr qu'elle a beaucoup d'argent. Je m'imagine dans son duplex, vautré dans le luxe et le sexe. Pourtant, ces histoires-là, c'est pas pour moi. Elle porte un tailleur et ses ongles rouges font claquer les touches d'un ordinateur. Ce bruit à la noix me les brise un peu. À part ça, ça va, je ferme les yeux, je hume son parfum de musc et de pomme. Quel dommage, elle a l'air concombre. La lune qui passe la tête à la fenêtre. Elle ouvre un rapport méchamment mastoc sur l'élevage des porcs, la gestion des stocks. Son portable sonne, alors elle claironne demain à l'aurore, égorger les porcs. Par chance, le cochon qui sommeille en moi n'a rien entendu de tout ça. Méfiance, il faut pas que je tombe amoureux. J'ai beau ne penser qu'à ses bons côtés, notre amour n'est pas sur la bonne voie. Elle n'est pas mon type, il faut être fort. Mieux vaut qu'on se quitte tant qu'on s'aime encore. Tout passe, le train arrive à Montparnasse. Sur le quai, voilà qu'elle embrasse. Qu'elle enlace avec passion un gros cochon.